Ce 1er mars 2024, les galeries Adama Fine Arts lançaient la première édition du festival Les Escales Musicales au Luxe Grand Bay, avec de nombreux partenaires à l'appui. Deux figures de pro de la musique classique évoluant en Occident avaient fait le déplacement sur Maurice dans ce contexte. Frédéric Chasselin, compositeur, chef d'orchestre et pianiste, et Julie Chérier-Hoffmann, soprano accomplie, proposaient ensemble deux récitals au cours de deux soirées dans le cadre enchanteur du Luxe Grand Bay. Je connaissais le travail de Frédéric Chasselin et de Julie Chérier, moi-même aimant passionnément la musique classique, donc je les suivais depuis pas mal d'années maintenant, et ayant eu l'idée de créer ce festival de musique classique, automatiquement je les ai contactés afin de voir s'ils étaient d'accord pour débuter la première édition avec nous sur ce festival des escales musicales. Je vous souhaite la bienvenue à ces premières escales musicales 2024. Le pianiste que nous allons recevoir ce soir est aussi chef d'orchestre, compositeur. Il a travaillé avec les plus grands. Il va donc ouvrir ce soir le festival et je vous demande d'accueillir Frédéric Chasselin. Ce soir-là, Frédéric Chasselin proposait un récital de piano avec un répertoire de Chopin et de Liszt, deux compositeurs romantiques phares de la musique pour piano. Frédéric Chasselin devait aussi accompagner la soprano Julie Chérier-Hoffmann durant la soirée du lendemain, avec toutefois une apparition surprise vers la fin de la soirée de lancement. L'idée était tout simplement de lier tous les arts, l'art pictural et l'art musical. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, certains de nos artistes ont créé des œuvres spécifiques pour lier leurs œuvres et la musique classique. Frédéric Chasselin compte une riche carrière en tant que compositeur et chef d'orchestre, ayant travaillé avec des pointures telles que Daniel Barenboim. Il a aussi été directeur musical à l'Opéra de Rouen, à l'Orchestre symphonique de Jérusalem, au National Theatre de Mannheim et à l'Opéra de Santa Fe, pour n'effleurer qu'en surface l'ampleur de son parcours. Ça m'a plu pour plusieurs raisons, parce que d'abord c'était le contact qui était fait par un galeriste, et moi j'adore l'art en général, pas seulement la musique, et donc c'était pour moi une occasion de découvrir Maurice, que je connaissais comme tout le monde, qui n'est pas encore venu ici, par des très belles images, mais surtout de découvrir un très beau projet. Donc Serge Pateta nous proposait un très beau projet, c'est-à-dire venir passer 15 jours ici et faire des concerts et débuter, lancer ce qui sera peut-être une aventure qui continuera, j'espère, pendant de nombreuses années. Eh bien écoutez, donc nous avons eu la chance d'être contactés par Serge, qui a organisé ces escales musicales. C'était très enthousiasmant et Serge a réussi vraiment à nous convaincre avec toute sa sensibilité. Et puis l'île Maurice, il y a bien longtemps que je voulais découvrir ce pays. C'était quelque chose qui était dans mes rêves et en fait je crois au destin. Donc c'était certainement le moment.
soprano accomplie Julie Cherrier-Hoffmann a été lauréate du premier prix du Conservatoire de Nancy en chant. Elle s'est produite dans de nombreux opéras à travers l'Europe. Elle est également directrice de deux festivals, Autant on emporte la voix et Musique au Mirabel. Chopin et Liszt d'abord étaient des amis, on les séparait pratiquement jamais. Hein. Dans l'esprit, Chopin et Liszt, c'était vraiment un duo. Bon, même si au fond, ils ne se connaissaient pas, ils se connaissaient bien, mais ils ne vivaient pas ensemble. Ce n'étaient pas des frères jumeaux non plus. C'est vraiment les héros du romantisme virtuose. Hein. Par exemple, vous avez Schumann. Schumann est romantique, moins virtuose. Liszt, c'est pratiquement le summum de la virtuosité. Sauf cette sonate que je joue ce soir, que je considère plus comme une pièce symphonique d'ailleurs. Il y a des pièces de Liszt qui sont beaucoup plus difficiles. Elle est difficile, mais elle est difficile par la longueur. Alors que les pièces de Chopin, elles durent plus d'une demi-heure. Et c'est la première pièce d'une telle dimension d'un seul morceau. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas pendant une demi-heure, 35 minutes. Les pièces de Chopin sont plus courtes, les études. Il y en a certaines qui durent une minute. Donc j'en ai choisi 7. Et puis deux ballades qui sont des pièces beaucoup plus développées. Mais tout ça, effectivement, c'est un romantisme. Alors chez Chopin, c'est un romantisme, je dirais, plus émotionnel. Chez Liszt, c'est un romantisme plus théâtral. Il y a toujours, comme je dirais, le diable et le bon Dieu dans ces pièces. Oui. Il y a toujours les deux faces. La face un peu, le côté obscur, comme on dit dans les films de Lucas, hein, de Star Wars. Le côté obscur et le côté clair. Ça, c'était très important chez Liszt. Est-ce que justement cette musique lyrique, il faut justement qu'elle puisse se déplacer vers hors des conservatoires, hors des salles de concert, mais vers d'autres publics? Évidemment, oui, la musique classique reste quelque chose, c'est un langage. Donc hors les murs, plus que jamais, c'est quelque chose qui peut toucher le cœur et l'âme. Bien sûr, on parle de l'amour, de la passion, de la mort. Tous ces sujets, en fait, sont souvent mis en musique par tous ces compositeurs qui font partie de notre patrimoine, pas seulement justement dans les salles d'opéra, mais en dehors. Je crois que ça peut toucher vraiment tout le monde. Alors, vous avez un riche parcours en tant que chef d'orchestre, compositeur, pianiste, etc., qui vous a amené dans tous les endroits importants d'Europe. Ce soir, vous êtes là, au piano, interprétant justement Chopin et Liszt. Alors, c'est intéressant justement de se retrouver dans cette peau-là du pianiste qui interprète l'œuvre de ses prédécesseurs, etc. Voilà. C'est un retour aux sources. C'est vrai que quand on a, comme moi, trois activités, compositeur, chef d'orchestre, pianiste, c'est un peu des fois difficile de partager son temps.
Donc là, ça m'a donné l'occasion de vraiment remettre le pianiste en premier plan, avec des répertoires que je jouais beaucoup quand j'étais au conservatoire, parce que les études de Chopin, tout ça, c'est des choses qu'on étudie quand on est relativement jeune. Et comme Serge avait ce programme à remplir avec du Chopin, qui a été déplacé à cause du cyclone, donc on a dû déplacer un petit peu tout, il m'a demandé si je pouvais assurer ce concert, donc je lui ai dit avec plaisir, et ça tombait bien, parce que dans ma boutique, si je puis dire, j'avais des choses qui correspondaient au programme, au programme original qui avait été prévu depuis longtemps. Et le piano en général, finalement, c'est le médium qui traverse le mieux le XXe siècle, le XXIe siècle, par rapport au public qui aujourd'hui est exposé à tellement de choses, la musique électronique, etc. Voilà. Le piano, c'est, on appelle le roi des instruments, parce qu'effectivement, vous avez, avec vos 10 doigts, vous pouvez tout jouer. Vous pouvez jouer depuis Bach jusqu'à Rolling Stones, vous pouvez absolument tout jouer sur un piano. Ce n'est pas le cas des autres instruments. Et puis effectivement, comme vous dites, il a connu maintenant, il a eu l'ancêtre qui était le clavecin. Maintenant, il y a les petits-enfants qui sont des synthétiseurs. Moi, j'aime beaucoup les deux parce que j'écris de la musique aussi, des fois, où j'utilise des synthétiseurs. Et j'aime la richesse des sons. Bon, c'est le même clavier. Après, ce que j'aime avec le piano, c'est que c'est un instrument entièrement naturel, acoustique, donc un vrai beau piano. C'est un instrument sur lequel je travaille tous les jours, j'écris de la musique avec, je me prépare comme chef d'orchestre avec, parce que je peux jouer les partitions d'orchestre au piano. On peut tout faire avec le piano. On travaillait les octaves, les gammes, vous avez vu, ça, vraiment c'était très dense au niveau de la technique. Les ballades sont vraiment beaucoup plus des pièces poétiques, des grands tableaux. On a entouré de très beaux tableaux ici, ce sont des tableaux musicaux. Donc j'ai choisi la première et la quatrième qui se ressemblent beaucoup sur la structure parce qu'elles sont déjà plus longues que les deux et trois et elles ont à peu près la même construction avec des thèmes qui reviennent, des thèmes très romantiques et assez doux et puis des alternances aussi, des fois d'explosion aussi de virtuosité. Donc voici la ballade 4, la ballade numéro 1 suivie de la ballade numéro 4. Donc même principe, j'enchaîne les deux ballades.
souvent que peut-être la musique lyrique, elle est un peu élitiste, que le monde est tourné vers la pop, vers etc. et que finalement c'est une musique qui n'attire pas autant de personnes que ça. Mais est-ce que c'est vraiment votre expérience ou bien vous pensez que justement non, le public il est très présent et peut-être est-ce que justement le jeune public est là, fidèle au rendez-vous Oui, je crois fondamentalement en cela. D'ailleurs, je vois bien au festival, enfin Musique au Mirabel, cette année, on a invité donc 300 enfants qui vont chanter un extrait de Carmen. Ils sont partie prenante, donc ce n'est pas du tout élitiste. La musique, c'est quelque chose de vivant, que ce soit de la pop, du rock, de l'opéra, ça reste un langage. Donc, non, vraiment pas élitiste. Au contraire, hors les murs, comme ici, Serge a eu vraiment une très, très bonne idée. Et je crois que il suffit de se laisser embarquer et rêver. On expose 35 artistes dans nos galeries et Kiko a spécifiquement créé ce soir 4 œuvres pour ce festival de musique classique qui, logiquement, est un festival qui s'appelle donc Les Escales Musicales et qui sera récurrent d'année en année.
la prochaine session, je dirais, normalement, se fera au mois de septembre, octobre ou novembre. On parle souvent de couleurs musicales, hein, on parle souvent de gestes musicaux, de gestes orchestrales, de couleurs orchestrales. Et puis il y a aussi l'architecture, un tableau c'est une architecture, c'est construit, il y a une architecture musicale. Donc, après c'est la correspondance entre les sens dont a parlé aussi d'ailleurs Baudelaire. Hein. Les sons, les couleurs et les parfums se répondent. Hein, ça aussi, je ne cite pas tout à fait bien Baudelaire, mais enfin c'était l'idée, c'est-à-dire la correspondance des sens. Donc forcément, même dans l'architecture d'un beau palais, il y a de la musique. Et une pièce de musique, comme par exemple la grande sonate de Liszt qui dure 35 minutes, que je vais jouer ce soir, à 35 minutes, il faut forcément qu'il y ait une architecture en béton, si j'ose dire, même si le béton n'existait pas à l'époque. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est construit architecturalement, et comme un tableau, comme un livre. Un livre, il faut une architecture, un plan, hein, comme on dit. Donc tout ça se répond. Après, ça parle à des sens différents, évidemment. Salle comble et public comblé ce soir-là pour le lancement de la première édition du festival Les Escales Musicales organisé par Adama Fine Arts en collaboration avec Lux Grand-Bé et une pléiade de sponsors. Ce festival se veut une confluence artistique et vise à devenir un rendez-vous annuel.